Les âmes grises, Philippe Claudel. Une histoire racontée au début par un narrateur inconnu qui nous parle d'une usine située à l'est de la France, près du front de guerre. Cette usine va permettre aux hommes du village et des environs d'échapper à la pelle pour travailler puisque l'usine doit fonctionner pendant les combats. On voit une catastrophe qui se déroule dans le village, avec cette guerre qui fait plein de morts et de blessés. Ces soldats ont risqué leur vie pour le pays et les travailleurs de l'usine sont honteux de n'avoir pas risqué les leurs dans les tranchées. Pendant que ces événements se déroulent, on découvre que Belle des Jours, une charmante jeune fille aimée par tout le village, est morte. On trouve son corps au bord du canal et on sait qu'elle est morte de strangulation. Une investigation pour découvrir l'assassin se fait, accompagné d'une description du quotidien de Lucine et de plusieurs événements divers. On découvre alors le caractère des gens du village et leur âme, qui ne sont ni blancs ni noirs, d'où le titre Les âmes grises. Created using Powtoon.